Eh bien, écoutez, le dossier progresse bien. C'est une bataille qui est particulièrement difficile et les Palestiniens, ben, petit à petit, réunissent un gros réseau de soutien, mais ils savent qu'ils doivent d'avoir compté sur eux-mêmes, ce qui est en cours. Pour ce qui est du bureau du procureur, nous avons éclairci des points qui étaient en discussion, à savoir que le fait qu'ils ne puissent pas se rendre sur place ne sera pas un obstacle à l'avancée de la procédure, parce que ce serait donner un avantage à l'agresseur. Et voilà, donc on utilisera, on a été sollicité par le bureau du procureur pour faire état de nos contacts et solliciter des informations qui viennent directement de Gaza sur des dossiers de victimes, sur des manières de procéder de l'armée israélienne, toutes sortes de points qui peuvent, on l'espère bien, permettre à la Cour de prendre une première décision dans le cadre de l'enquête. Voilà, donc pour le moment, on est axé sur cette phase urgente et puis on prépare déjà la suite, c'est-à-dire l'étude de fond du dossier et puis d'autres dossiers que nous soumettrons avec cette grande base d'organisation qui se met en place, à commencer d'Alger, par la suite à la Cour.